Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bonne vidéo! Ah, d'accord. Donc, ils n'ont pas le droit de faire alliance avec vous. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? Où est votre chef? Je veux lui parler directement. Bah, je vous emmène si vous voulez, je vous emmène. Oh! Je vous emmène. Bon, écoutez, nous on n'est pas en guerre contre vous, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dites-le à votre chef. Nous, on ne veut pas votre peau. Voilà, donc nous on peut vous payer plus. On peut vous payer plus pour ne pas nous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? On est riche. D'accord. On est une grande famille italienne très riche et très puissante. Donc monsieur, tout ce que nous allons faire, c'est vous allez partir de votre côté, on fait la guerre contre ces putains de Chinois. Dès qu'on a fini la guerre, parce qu'on va les poutrer de toute manière, on vous donne de l'argent. On vous donne, je sais pas ce que vous voulez, 100 000 dollars peut-être. 100 000, je parle bien. Ah, ils nous ont proposé 10 000. Ah, 100 000, d'accord. Oui, donc moi je te propose 10 fois la somme de ce petit bâtard qui vend des nouilles chinoises au coin de la rue. Donc monsieur, moi je vous le dis, 100 000 dollars, et vous nous laissez tranquille. Ah, où sont les policiers? Ils écoutent, ils écoutent aux portes. Les fumiers. Ils ont dit qu'ils voulaient faire semblant d'attendre le train. Attention. Ah bonjour monsieur les agents. Et les voilà, ils sont là. Oui, ok. Ils pouvaient pas être ailleurs, eux. Donc voilà ce que je vous dis. C'est un plan qui vous semble correct ou pas? C'est un plan qui vous semble correct? Ça me semble correct, oui. Parfait. Je vais en parler à mon chef et je vous rappelle, vous avez un numéro? Un numéro de quoi? Ah, de téléphone. Bah, oui, tout à fait. Vous donner vous ma réponse de mon chef. Sullivan McTaylorist, c'est mon nom. Je vous attends, n'hésitez pas. Merci, messieurs. Okay. Donc, dès que j'ai réponse. Messieurs, ma famille, venez avec moi. On peut discuter nulle part tranquillement. Ok, donc là on va pouvoir discuter tranquillement et avoir un visu sur tout. Donc écoutez-moi bien, est-ce que vous avez tous vos armes sur vous ou pas? Non, moi je ne l'ai pas équipé. Attends, on se déséquipe sur nous là maintenant? Alors attendez, faites gaffe que la police... Mais putain, à quoi tu sers toi? À quoi tu sers? Tu vas nous regarder nous battre? Tu vas faire quoi? T'es débile! Dis-moi que t'es débile! Alors, vous avez tous des armes ou pas? Oui. Prenez des munitions, ça va être très important. Prenez des munitions par terre. Ah putain, par contre, moi j'ai plus. Oh putain, on a eu chaud, j'ai cru que c'était pour nous. Écoutez-moi les gars, on va directement aller au quartier riche après. Toi, il faut te trouver une arme, tu peux pas arriver comme ça et nous regarder, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Attends. Je crois que j'ai une arme. Ah, bien mon bras droit, bien mon bras droit. Ouh, c'est une bonne arme qui te donne. Fais un bon usage, achète-toi des munitions. Et range-la, putain, range-la, on est en plein centre-ville, il est con. Range-la, c'est une arme. Oh, qu'est-ce qu'il est con comme une bite. Allez, achète des munitions et puis on peut y aller. Achète des munitions. Ok les gars, venez, on va au quartier riche, venez. Ok. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je possède des pizzas fromage. Attention, mettez-vous tous du même côté, c'est des malades de la route ici. Arrêtez de klaxonner. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ils sont fous. Eh, tu fais quoi toi là? Tu fais quoi toi là? C'est pas toi tout à l'heure qui est venu nous dire pour ton boss là qui voulait nous tuer ou je sais pas quoi? Ah si. Bah il voudrait vous parler en fait. Ils sont où les Chinois là? Ok, vas-y viens, on va lui parler parce qu'on sait pas où sont les Chinois. Les Chinois je sais pas. Allez, vas-y, montre-nous ton boss. Bah venez chez moi. Venez les gars, venez. Il est là. Oh, c'est très mal meublé chez vous. J'arrive. Ok, on est là, messieurs. Voilà. Ah, c'est le bonjour. Parrain. Je vous ai envoyé un message, monsieur le parrain, justement. Tout à fait, mais je ne l'ai pas lu. J'ai mon portable qui bug. Ah. Donc je vous écoute. Que se passe-t-il? Ah, mon chef est là-bas, venez. Perfecto. Bah, je pense que ça pue un peu. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Bonjour. Ah, monsieur Yataray, monsieur, et vous, qui êtes-vous? Vous êtes le parrain, c'est ça? Je suis monsieur McTaylorist. Don McTaylorist. D'accord. Bon, mes hommes de main m'ont parlé que vous avez envie d'exterminer les mangeurs de chats.
Tout à fait, ces mangeurs de chiens là, c'est salopard. Je vais pas vous mentir, leur chef m'a proposé un deal, c'est-à-dire 2000 dollars par tête de mafieux. Donc 10 000 seulement. À mon intérêt, voilà, vous avez tout compris. Oui. Mon homme m'a dit que pour 100 000, je pourrais vous rendre service. Tout à fait. On a la capacité de les réunir. Vous restez dans cette salle et on les prend en guet-apens. Je les réunis dans mon salon en leur disant qu'on a une première tête de mafieux, qu'on aimerait nous sous. Écoutez, ce deal est très intéressant, dirais-je. Il me faut vraiment votre accord et votre parole, parce que nous, dans la mafia italienne, nous n'avons qu'une parole. Monsieur. Moi aussi, j'ai qu'une parole, monsieur. C'est pour ça que je n'ai pas confirmé l'accord avec Seigneur. Et elle ferme pas la porte, elle. Tout à fait. Le deal va commencer, Il y a les Chinois, devant. Ok, d'accord, il y a les Chinois. Bon. Faites-les rentrer, Cachez-vous derrière le canapé. Prends les sous. On n'a pas les sous pour l'instant. On vous les amène de la banque. 100 000, c'est beaucoup. Parlez pas. Sortez vos armes. Cachez-vous sur le coin du mur. Ou alors on négocie. Chut. Taisez-vous. C'est de vous prendre à pote, ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tais-toi. Tu fermes ta gueule ou je te bute. Alors là, on attend les amis. On attend. On va les accueillir, ces Chinois, je vous le dis direct. On va les accueillir. On va leur faire avaler leur nez. Vous avez tous des munitions? Vous avez tous des munitions? Ouais, assez. Pour tuer environ 5 quand même. Parfait. 5 minutes. Est-ce que quelqu'un... Chut. Quelqu'un pourrait passer une boîte de munitions, mon mec? D'accord, chut. 5 000 pour le patron. On dirait. Je sais pas vraiment parce que mon père a été tué par une personne. En fait, mon père s'est pris une balle perdue et... Bon, c'est qui était encore là, qui c'est qui est en vie, là, mon père, il m'a laissé une lettre avant de mourir et je crois que c'était le cousin... Non, mais, monsieur, regardez... Putain, mais buté dans votre famille ou quoi? C'était le cousin de monsieur Geek. C'était le cousin qui est de monsieur Geek qui avait placé cette plume, il me semble. Le Judas n'était pas dans le bon sens. Elle est toujours bonne ou pas? Alors, attendez. Décidez. Bonne. Après... Putain, faites-les rentrer. Pour ma part, moi, je peux pas prendre la responsabilité. Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Faites-les rentrer. Vous êtes qui, d'ailleurs, vous, monsieur? Je vous connais pas. Connaissez nous, alors. Comment vous connaissez notre lieu? Cousin ou votre je sais pas quoi, là. Vous êtes on entend tout. Même famille, on entend toutes les mêmes têtes. Donc, bon. Mon cousin m'a dit de vous rencontrer, monsieur. Dit que vous auriez des instructions pour moi. Mais c'est mon patron. C'est mon homme de main, lui. C'est mon cousin. On entend tout. Et les mérites sont super fins. Attends. Qui veut rentrer en premier? Moi. Non. Ok, allez, on rentre tous. Rentrez tous. Allez, vas-y. Oh, stop. Mais putain, fallait pas les tuer direct, mais vous êtes cons. Reste là, le gros. Rentre. Avance avec ton gros lard de patron, toi. Dépêche-toi. Avance avec lui. Dépêchez-vous tous. Vous tous là, avancez dans le bureau. Tout le monde dans le bureau. Je veux personne derrière nous. Tout le monde dans le bureau. Dépêchez-vous. Ok. Toi aussi, la pétasse là. Dans le bureau. Dépêchez-vous. Bon, alors, le Chinois, apparemment le quartier il était à toi. Qui c'est qui m'a tutoyé au téléphone? Qui c'est qui m'avait tutoyé? Qui c'est l'enculé? C'était mon cousin, monsieur. Ton cousin? C'était mon cousin, monsieur. J'en prends la responsabilité. Tout à fait. Paix à son âme. Moi, je chie sur sa tombe. À cet enculé là qui m'a. C'est des pratiques un peu bizarres, monsieur. Surtout pour un Italien. Oh putain, toi tu cherches trop la merde, je te conseille de vite arrêter. Et toi le gros porc là, c'est toi alors qui voulais nous tuer pour 2000 chacun? Tu fermes ta gueule! Non, aïe! Toi, c'est toi qui voulais nous tuer pour 2000 dollars?
Qui c'est qui voulait nous tuer? Qui c'est qui voulait nous tuer pour 2000$? Dépêchez-vous. Bah écoute... Ah moi c'est surtout ça. Non mais c'est pas le gros Paul là? C'est pas le gros Paul? Le chef? Non, le gros Paul, il y avait son, le père du gros Paul aussi je crois. C'est moi. Donc il sert... Ah c'est toi? Ouais peut-être. Et toi tu servais à quoi dans ce groupe? Tu servais à quoi dans ce groupe? Les gars, bah disons que je vous permets de le tabasser à main nue. Tabassez-le à main nue, je veux le voir saigner. Parce que vous savez pas le faire. Ma. Une honte. Donc maintenant, vous là, les petites salopes de gangsters qui voulaient nous tuer pour 2000 par tête, vous n'avez aucun honneur pour moi. Vous n'êtes que des chiens. Vous m'avez servi de pion, je vous ai tous manipulé. Manipulé. Tout simplement. Donc maintenant, vous allez nous donner... Vous allez nous donner 2000 chacun. Dépêchez-vous, 2000 chacun. Le premier qui donne pas, on le bute. Et on vous laissera en paix. Ça sera le remboursement de tout ce que vous nous avez fait subir. Dépêchez-vous. Vous êtes sûr de vouloir ça? Baisse les yeux. Baisse les yeux, toi, quand tu me parles. Je crois que tu ne connais pas la gravité de la situation. C'est bien. Je pensais que vous n'avez qu'une parole. Oui, je n'ai qu'une parole, mais je n'ai jamais dit que je ne te tuerai pas. Ouais, ouais, ouais. Allez, les gars. Venez vite. On se barre, les gars. Ouvrez ou je vous bute. Ouvrez la porte. S'il y en a un qui sort une arme, je le défonce. Sortez. Okay. Sortez, les gars. Ouvrez la porte d'entrée, dépêchez-vous, là. Vous, là, le patron, là. Ouvrez la porte d'entrée, dépêchez-vous. Allez, rentrez. Il allait ouvrir. Sortez. Tu avances, je te dis. Tout est ouvert. Ok, on se casse. Go. Des hommes armés, monsieur, ça tire. Allez, Ok, on se casse. Oh putain. On se barre. Putain, c'était chaud. C'était chaud, les amis. Go, on se barre. Oh putain! Putain, le train, il nous le faut, le train! Il nous le faut! Allez! Vite le train! Putain, allez! Allez! Oui! Vite le train! Montez! Montez, vite! Monte! Oui, oh putain. Changez de vêtements. Droppez votre arme et changez de vêtements. Ok, c'est bon les gars, c'est bon. La fuite était magique. C'est incroyable. Vous avez changé de tenue? Tu n'as pas d'autre tenue? Non. Je t'avais dit de prendre des vêtements de rechange. Tu es con. Oh putain de dieu. On est dans la merde. Bon, écoutez, on va essayer d'arriver. Dès qu'on arrive à la prochaine gare, on se met tranquille. Bon, on a un problème avec les gangsters, hein. Ça, c'est parti en couille. Bon, peut-être qu'ils seront arrêtés, je ne sais pas clairement, mais ça risque d'être un peu le bordel.